Oh, prends-le, prends ce livre et lis-le. Tu verras, ça va te cultiver. Il y a de l'action, du suspense, des sentiments de tristesse et d'amour. Non, ne le prends pas. Il n'y a pas assez d'action, de sentiments. Va plutôt jouer à l'ordinateur. Ne l'écoute pas. Lis cette BD. C'est mieux que les jeux vidéo. Et en plus, il y a une belle histoire d'amitié. Non, crois-moi, rien que le titre, La tristesse de l'éléphant, ça donne vraiment pas envie de le lire. Ne l'écoute pas, t'ai dit. Il n'y a que 76 pages dans cette BD. On peut les tourner très rapidement sans s'en rendre compte. Non, n'écoute pas, il y a plus de 200 pages, crois-moi. Il n'y a que 76 pages d'autonomie et de bonheur pour les lecteurs, même si 200 pages auraient été mieux. Déjà une page, c'est déjà trop.